la rondelle va sur le flanc droit. Bocage. Carlson, encore une fois, il est tellement calme. Hein. C'est incroyable. Zone neutre. Une passe du revers de Marleau à Teasdale. Teasdale au cercle d'attaque. Le tir le but! Joël Teasdale, 1-0 les Huskies. Territoire de adverse et on sort assez rapidement. Et on voit le travail de Teasdale, seul de son camp, réussit à gagner la zone dangereuse. Très, très patient. Prend un excellent tir pour battre le gardien Gravel du côté de la mi-temps. Gardien a vraiment été surpris. 13e but des séries pour jouer. C'est Chénier qui renvoie vers Getson. Getson dans le coin. Un tir bloqué par Lavoie. Arrêt de Samuel Harvey. Du deuxième match, le match de vendredi. Les Moussettes prennent le contrôle à la mise en jeu. McIsaac travaille à la hauteur des cercles. McIsaac dans l'enclave pour le tir de but. Benoît Livigrou, c'est un. McIsaac est également très patient. On le voit, regarde, va se déplacer sur la ligne bleue. Garde le contrôle de la rondelle, la tête haute. Donne la chance à son coéquipier Grou de se positionner. Et lui sert une passe parfaite pour le tir sur réception. Un tir, je suis convaincu que... McIsaac n'a pas été en mesure de contrôler. En infériorité numérique, Harvey Pinard s'amène. Le tir, il a raté le filet. On change des occasions, deux extrémités, là. Harvey Pinard, toujours en protection de rondelle, réussit à le défaire de McIsaac. McIsaac s'en sort bien. Harvey Pinard, du revers, la frappe de Bergeron. Et but! Justin Bergeron en infériorité numérique. Les Huskies reprennent les devants. Mais Durando marque la cible. Et Harvey Pinel travaille avec beaucoup d'énergie. On va pousser à la pointe gauche. Le tir de Kite bloqué devant lui. C'est la sortie des Huskies. Harvey Pinard s'amène sur le côté droit. Harvey Pinard devant le filet. Dans-dessus à Bergeron. Le but! Justin Bergeron, son deuxième du match. 3-1, Rouyn-Noranda. Dans-dessus et on le voit. Belle sortie de territoire. Belle accélération. Bergeron se dirige vers le filet. Ouvre l'espace. Et Dans-dessus, toujours très, très intelligent. À haute vitesse, réussit à repérer son coéquipier Bergeron, son partenaire en défensive. C'est les deux défenseurs qui mènent le jeu, Sébastien. 3-1, Rouyn-Noranda. C'est vers McIsaac. Durando, à nouveau pour Asselin. Asselin, avec Isaac, au cercle vers Lavoie. Le tir amorti devant le filet. Le but! Asselin agenouillé en avantage numérique. Et c'est 3-2. On a joué de chance un peu là-dessus. Chance marquée, une passe un peu manquée par Lavoie, brise son bâton et dévie sur le bâton du défenseur 53, Dobson. Asselin bien positionné, malgré qu'il est à genoux, réussit à récupérer la rondelle libre et la glisse derrière le gardien Harvey. Chuter poussé avec le patin volontairement. Harry Hotchuck également est arrivé derrière lui en plongeant. Du revers, ça va à Dobson. Dobson, le tir bloqué, on est libre devant. Au retour, ça glisse derrière le gardien, toujours libre, quelle chance ratée. Gagné par Halifax, Rysek, point droite, le tir de Chénier, bloqué, retour, touche de poteau. C'est Asselin qui a frappé la tige. Et par la suite. Cet angle-là, difficile de dire si la rondelle a franchi la ligne rouge. J'ai pas l'impression que c'était le cas. Voyons voir de la caméra au-dessus du filet. Non, pas par la côté gauche. C'est dégagé par Teasdale. Kite travaille derrière le filet. Travaille de Heinem le long de la rampe, provoque le revirement. Heinem s'avance au but, le tir de but! Tyler Heinem! Et c'est 4-2 Rouyn. Qui s'amène en retrait, bonne chance de marquer. Et on voit Heinem réussir à se régénérer dans le centre. J'ai l'impression que Gravel s'attendait à la passe et puis... surprend le gardien des Moussettes, marque le quatrième. Isaac qui reprend. Ça vient du côté droit. Asselin, joint la voie. Asselin à nouveau devant le filet. Durando fait un seul. Quel arrêt d'Harvey! Ouais. C'est fait oublier par la défensive. Le temps de s'exécuter. L'équipe qui a donné le moins de buts durant la saison. La Régis, on va vers le coin. Teasdale. Sort avec la rondelle, Teasdale le tir, arrête Gravel au retour. Oh, quel arrêt de Gravel! Il est check avant, on le voyait seul de son camp contre deux joueurs là, de Moussette. Réussit à sortir de la rondelle, prendre un tir. Rondelle soutiante, les paniers de Sylvain Devray. Voilà la passe devant, fin seul, Teasdale visera la cage abandonnée. Et les Huskies de Rouyn-Noranda vont gagner ce match numéro 3. Deuxième but du match pour Teasdale, son 14e des séries. Oui,